Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Que puis-je pour vous? Je souhaiterais vous prendre un voyage pour 2 semaines, s'il vous plaît. Un voyage? Pas de problème. Où ça? Pas trop cher, si ça vous dérange pas. Oui, mais où? Loin, très loin. D'accord, mais où? Je sais pas, moi, la plage, les palmiers, le sable fin. Ah, nous avons justement une promotion spéciale sur les Bahamas. 11 heures de vol en voyage de nuit. Départ 17h. Arrivée 6h du matin à 2 500 € aller-retour, hors taxe, bien sûr, liée aux exigences du pays destination. Les Bahamas, c'est où ça? Loin, très loin. Oui, mais où? Faites-moi confiance, les Bahamas, c'est le paradis sur Terre. Vous faites de la plongée? Non. Vous aimez le son des tam-tam au coucher du soleil? Non, ça me donne très vite mal à la tête, ça. Vous pêchez alors? Jamais. C'est pas grave, ce voyage est fait pour vous. Vous souhaitez partir quand? J'avais pensé aux 2 dernières semaines d'octobre, c'est possible. Par contre, les 2 semaines sont en période de vacances scolaires? Je ne crois pas, je crois que je suis à cheval. Et je vous prends pas de billet d'avion alors? Pourquoi? Bah, vous me dites que vous êtes à cheval. C'est une expression, je suis à cheval sur 2 semaines. La première, c'est effectivement les vacances scolaires, la seconde, non. C'est plus clair comme ça. Vous prenez l'assurance anti-crash? Anti-quoi? L'assurance anti-crash. Si vous prenez cette assurance, vous êtes certain de ne pas avoir de crash d'avion. Comment est-ce possible ça? Plus anti-crevaison, trou d'air interdit, tous les réacteurs sans exception attendent d'atterrir pour tomber en panne. Bon bah écoutez, oui d'accord. Alors, 380 € pour l'assurance? 380 € pour l'assurance? C'est hors de prix. Vous préférez mourir en vol? Ben, allez, soyez raisonnable. Bon ben, si ça peut me sauver la vie après tout. Cela dit, attention, en cas de très gros pépin, l'assurance ne fonctionnera pas. Qu'est-ce que vous appelez très gros pépin? Je sais pas moi, si le pilote est agréablement occupé avec une hôtesse par exemple. Vous comprenez bien que l'assurance en ce cas précis ne couvrira rien. Ah, faut que je surveille le pilote en plus. Vous jetez un œil, tous les quarts d'heure par exemple. Et si je les surprends en train de... Vous prenez le volant? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'ils aient fini, je sais pas moi. Et une fois qu'ils ont fini, vous lui rendez le volant. Ah bon? Et l'hôtesse, il y a... Comment ça est l'hôtesse? Non mais rien. Alors, où j'en étais moi? Ah oui, désolé de vous demander ça. Est-ce que vous ronflez? Très peu. Ah, en respect de la loi du pays destination, je me vois obligé de vous mettre en cabine. En cabine? C'est-à-dire? Que des ronfleurs. Que des ronfleurs? Mais c'est indormable. Vous serez entre vous, vous allez vous soutenir. Et pour 1 € symbolique, pour éviter que ce soit vraiment le boxon, Dev viendra vous siffloter ses meilleures chansons. Dev, le chanteur, avec sa guitare. Mouais. Comment ça, mouais? La balade des gens heureux, ça vous dit rien? C'était lui, ça? Je crois, ouais. Alors, la cabine, c'est 180 €. C'est la loi. Hein. Plus 1 € pour les sifflements, ça fera 181 €. Vous préférez les hôtesses ou les stewards? Les hôtesses. Combien? Comment ça, combien? Combien d'hôtesses? Sachant que c'est 60 € par hôtesse. 60 €? Elles sont nues pour ce prix-là? Vous avez déjà vu des hôtesses nues pour 60 €? Pourquoi? C'est plus cher? Largement. Je vais me contenter de stewards, finalement. Petit malin, y a pas de petites économies. Les stewards, c'est 40 €. Combien vous en voulez? C'est obligé, les stewards? Ah oui. Un seul. Non, c'est par 2, les stewards. Bon, alors 2. Alors, si vous en prenez 2, le troisième est à 20 €. Non, non, merci. Ok, donc 2 stewards pour un montant total de 80 €. Le hublot? Oui, s'il vous plaît, je préfère. Donc, une place en hublot? C'est combien? Mais c'est gratuit, voyons. Je prends ça alors. Au moins, je regarde les paysages au décollage. Ah, là, c'est différent. Il y a un cache derrière le hublot. Si vous souhaitez enlever le cache pour regarder, c'est à pièce. C'est 2 € le quart d'heure. Pas une boisson, je vous mets quoi? Non, 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 je vous remercie, j'ai pas soif. C'est bête, c'était offert par la maison. Ah bon, mais ça change tout alors. Allez, un coca. Par contre, il est chaud le coca. Hein. Les glaçons sont en option. C'est combien? 65 centimes le glaçon et 1 € les 2. Mettez-moi un seul. Ok, donc je récapitule. Un aller-retour. Paris-Bahamas, en classe ronfleur, assurance anti-crash, siège hublot avec un glaçon, plus les taxes en vigueur. Je vais donc vous demander 4 891 € et 65 centimes, s'il vous plaît. Tenez. Ah. Merci. Vous recevrez donc les billets par voie postale, et politique de la maison oblige, nous vous offrons les timbres poste. Ah, c'est fort gentil ça. Merci Dan R. Y'a vraiment pas de quoi. Nous vous souhaitons un agréable voyage avec Dan R. Dan Air, c'est vraiment la compagnie la moins chère. C'est pas faux. Par contre, méfie-toi. Tu pètes un coup, ça te coûte 100 balles.